groupe qui vini et nombre là c'était 400 et nous t'es capable voir président Kenya et William Ruto qui lui-même t'a rencontré monsieur avant que yo quitté Kenya pour yo rentrer en Haïti dans cadre mission yo dans pays d'Haïti. Donc leur arrivée dans l'aéroport après ça bon journaliste pas gain accès que journaliste pas gain mais monsieur yo ou bien troupe yo même qu'on y allé dans et base côté que yo quitté pour yo et pourquoi gain on déclaration gros déclaration qui fait concernant ça nous-mêmes n'a pas essayé joindre et ça pour nous donc c'est comme sa situation y a gagné plusieurs déclarations qui fait par exemple gagné Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État américain qui dit c'est un premier parmi plusieurs étapes importantes pour rétablir sécurité et prospérité dans pays d'Haïti. Et M. Miller dit mission historique que Haïti t'a demandé et que Conseil de sécurité de l'ONU t'a autorisé, et bien vraiment, c'est un effort international. C'est une façon pour le dire que c'est pas seulement Kenya, même si Kenya est en tête, li, mais il y a l'autre pays qui a pu te coller. Nous connaissons Kenya, lui-même, il t'a proposé 1 000 policiers, mais en attendant que livrer 400 d'après chiffres. Et M. Miller continue pour le dire, nous espérons ouais, amélioration mesurable vis-à-vis sécurité, surtout par rapport à accès et à assistance humanitaire à activité économique essentielle. Ça pourra aider Kenya et créer conditions à sécurité nécessaires pour élections libres, honnêtes et démocratiques faites dans l'avenir. Donc ça c'est parole Matthew Miller qui se porte-parole département d'État ici aux États-Unis. Donc c'est réaction leur l'été confirmé pour nous que eh ben et troupes Kenya ont vraiment quitté Kenya pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc, c'est une situation qui est très spéciale parce que, dans le moment que Kenya et vos troupes, eh ben, tête chargée dans le pays Kenya. Tête chargée depuis quelques jours, côté que, il y a un paquet de manifestants un peu partout dans Kenya qui protestaient contre une loi sous budget. Et là-dedans, il y a plus jeune, et monsieur le président Kenya, lui-même, William Ruto, il a participé à une cérémonie religieuse, il parlait. Un décret présidentiel que l'administration te prend, quand elle était limitée, quantité d'immigrants qui t'avaient demandé asile sous frontière, et tout, et monde qui pas éligible, tout, sous ta vie d'entrée sous frontière illégalement. En tout cas, l'administration bat bravo pour lui-même, depuis le ça, mais il y a eu un résultat. Et tout, il a déporté tout, environ, actuellement, d'après chiffres que l'administration bail, il a déporté près de 40 000 monde. Depuis là, il a été pris en mesure ça. 40 000 monde, c'est pas seulement haïtien, mais c'est l'autre étranger tout, qui est retourné dans le pays ou bien refoulé au Mexique. Dans l'autre semaine qui devine après, donc, pratiquement, et dans 2 semaines encore, il a été pris l'autre décret présidentiel, lui-même qui était, justement, permettre et immigrants qui habitaient aux États-Unis depuis 10 ans, qui vivaient aux États-Unis illégalement depuis 10 ans, mais qui mariaient avec un citoyen américain, et bien eux-mêmes, ils étaient capables d'appliquer pour venir gagner résidence, pour ça à Noël, pour venir gagner et 4 VA là, ou bien encore pour venir gagner Green Card là. Et en tout cas, je vous dis encore, et l'administration prend leur décision, et on leur décision, ça c'était pour Haïti seulement, et pour Haïti seulement, et ça au fait. Il y a une nouvelle TPS pour tout Haïtien qui est dans le pays jusqu'au 3 juin 2024. C'est-à-dire que si vous arrivez aux États-Unis après le 3 juin, c'est-à-dire que vous arrivez aux États-Unis le 4 juin, vous n'êtes pas qualifié pour un TPS. Vous n'êtes pas qualifié. Maintenant, il y a une nouvelle TPS. Il y a une renouvelée, monde qui a un TPS déjà, monde qui est là longtemps depuis un TPS, et bien, il y a une renouvelée pour eux pour 18 mois. 18 mois, et 18 mois ça, il commence exactement, il commence à partir du 4 août, et le 4 août 2024, et il a fini le 3 février 2026. Ça, bon, exactement 18 mois. Maintenant, pour moi, qui est un TPS déjà, mais ça, il dit, mon processus, il faut qu'on réapplique encore pour TPS ça. Allez bien? Si vous avez un TPS déjà, il faut réappliquer pour TPS ça encore, et réappliquer pour permis de travail. Pour ça que ça n'est pas un travail, étant donné que DHS ou bien encore autorité reconnaît que problème y a gagné dans quantité de demandes que y a gagné pour monde qui a renouvelé pour monde qui a demandé permis de travail,
étant des problèmes ça que gain, ben ça veut dire que sous appliquer d'abord pour gain et pour TPSA, en plus forme I821, automatiquement on applique tout pour permis de travail là qui se forme I765 là, et bien automatiquement et permis de travail va prolonger pour 18 mois en attendant qu'on reçoive document ça. Il était probable de recevoir le document, vu que quand c'est en train de s'apprendre, qu'il doit être expliqué encore. Mais au moins, appliquer, et laisser ça au cas d'utiliser pour un coup de patron, pour dire patron, même appliquer déjà, et patron de connaît que c'est une grosse extension qui fait automatique. Donc, il n'y a pas qu'à voir la capacité, il n'y a pas qu'à dire qu'on va permettre de travailler. Donc, il faut montrer que tu es enregistré ou tu es réinscrit encore, ou appliquer pour cette forme I-765 ans, et qu'on soit au vin éligible. Donc, mes amis, mes nouvelles-là, c'est ça que vous entendez. En tout cas, et ça, c'est pour les gens qui sont haïtiens qui ont un TPS dans la main. Qui ont un TPS, et bien, vous êtes capable de renouveler le TPS à partir de. À partir de ma bord, il y a 60 jours pour faire application. 60 jours, ça veut dire 2 mois. C'est à partir du 1er juillet 2024 et la fini 30 août 2024. Nous reprenons encore. Ou capable ou pas appliquer pour réappliquer pour TPSO, et bien inscription ça l'ouvrir, la plouvrir depuis à partir du 1er juillet, donc dans quelques jours, hein, à partir du 1er juillet 2024 pour le finir 30 août 2024. Mais dans ce délai à passer, ou pas 40 personnes responsables que seulement ou même qu'on capable rendre responsable ça passé. Et ça, c'est pour les gens qui ont un TPS déjà. Maintenant, le même valable tout pour les gens qui pas de plus de formation qui a sorti. Mais pour Haïti, l'administration redésigne Haïti. C'est-à-dire que tout le monde qui est entré en Haïti, qui n'a pas de TPS dans le monde, ou pas de TPS au monde où tu es sorti en Haïti. Après, par exemple, là, moi, je venais, bon exemple comme ça. C'était la dernière catégorie de monde que tu prends. Eh bien, depuis les ça, aux États-Unis, au cas où ton présence aux États-Unis, jusqu'au 3 juin 2024, ou même, ou éligible pour faire partie du programme, là. Donc, on y a qui sont capables de faire à partir, qui sont capables de faire à partir du 1er juillet, eh bien, vous faites pour appliquer, un, pour TPS, là, c'est forme I-821, payer frère. Et frère, je connais que les plus que $520 qu'on y a parce que c'est augmenté. Depuis avril, ça a augmenté. Ou augmenté sous lit. Et puis, en même temps, tout, ou appliquer pour TPS là, tout, appliquer pour permis de travail là, ça veut dire rempli forme I-765 là pour gagner un permis de travail pour avoir travail. Forme ça, je connais que le coûté actuellement $470. Et plus au gagné et forme application pour TPS là qui se forme I-821 et bien ça va pratiquement au total moins que $1,500 qu'on a besoin $1,200-$1,300 qu'on a besoin pour rentrer dans pour prendre tout le bénéfice que ça offre. Je reprends ni encore et je voulais que nous comprenions ça. Si Haïti redésigne encore, ça veut dire que tout le monde qui est entré aux États-Unis jusqu'au 3 juin 2024, eh bien, on qualifié pour gagner dans le programme, pour entrer dans le programme TPS. Ça veut dire qui ça? Mon Biden, nous avons qualifié tout. Mon Biden, les gens qui deviennent dans Biden, qui devine depuis janvier ou février 2023, etc., ou qualifié pour entrer dans TPS. Sous le programme asile, par exemple, demander asile et que c'est rendez-vous gain, ou qualifié tout pour sortir dans le programme asile, entrer dans le programme TPS plutôt. Parce que asile là, c'est assuré par certains. Au fond, demander asile, ou pas aucune garantie que là va prouver. Eh bien, TPS a gratuit, TPS a lui offre opportunité pour être dans le pays pendant 18 mois. En attendant pour qu'on ait qui ça qu'on a fait, parce que c'est une question qu'on a discuté, c'est sur réforme immigration que qu'on a près de 30 ans que pas fait. Peut-être le faire la prochaine fois à faire là, ou même sur un petit pièce ou là, ou dans un pays légal, ou capable de faire un travail. OK?
Donc, moun ki t'a parlé de permis de travail pour 5 ans, non. Et l'administration pas dit. Mentir pas dit pour une fois. C'est seul soit basé de pour appliquer pour asile le bon permis de travail pour 5 ans en attendant et pour ces bah ouais, fait là. Donc, c'est comme ça situation et qu'on y a là. Donc, souté aux, maintenant, si moun ki t'a habité en Haïti, qui pa gon nationalité tout. Pa gen moun ki pa gen nationalité. Mais qui sont moun liye. Quelle que soit la raison qui fait que le paquet de nationalité. Eh bien, Mounsa, il était en Haïti, il est en Haïti, il rentre aux États-Unis. Eh bien, Mounsa, il est qualifié tout. En nous prenant exemple, Haïti n'a pas l'ouvre avec la République dominicaine sur question de nationalité. Si Moun qui fait en République dominicaine de parents haïtiens, et Dominicain, t'es non bouche l'ouvri, c'est question de nationalité, il était dit, mon ça, pas haïtien, eux pas Dominicain. Donc, c'est haïtien, oui. Les sous-baptistes, comme ça, dit, c'est étranger. Je sais étranger. Parce que fait de mon parent haïtien, il dit, je sais étranger, oui. Donc, c'est ça, Haïti, pas Haïti, Haïti, qui a un problème pour le bas national, parce que Haïti, basé sous la République Dominicaine. Pour que les Dominicains disent, vous faites la carrière et citoyen pays loué. Alors que, l'Haïtien dominicain dit Haïti, oui, l'Oa dit tout, même tout, sous fait de parents haïtiens ou haïtiens. Donc, si on sait, ils prennent on monte et descend, par contre, qui ça veut faire. Donc, entre l'enclume et le manteau, il y a le sous-bossa, ils prennent coup, ils viennent sous-bossa, ils prennent coup. Donc, finalement, si on sait, capable d'appliquer tout pour tipier ça tout, si il y a qu'à montrer qu'il était aux États-Unis jusqu'au 3 juin 2024. Jusqu'au 3 juin 2024. Donc, de toute façon, et pour moun, rappelez-nous, tout le monde qui parle et extension ça, eh bien, l'a fini lui-même. Pour moun qui redésire pour tipier ça, 18 mois, eh bien, et moun qui a appliqué pour et pour permis de travail, qui a un permis de travail déjà, mais qui expiré, quelque soit raison, hein, eh bien, il y a rempli forme I-765 là, ensuite rempli pour forme I-821, et automatiquement, on a un permis de travail qui a prolongé jusqu'au 3 août. 2025, ça va exactement 18 mois. Ou capable d'unir avant leur fin appliquée, ou capable d'une forme avant, mais ou capable d'unir, ou capable d'unir tout, mais au moins, pendant 18 mois, ou capable brûler, bosser dans l'arrière, chercher travail, etc. Maintenant, pour ou montrer côté fait application. Si pas fait application, c'est pas responsabilité personne. Nous-mêmes, nous portons une nouvelle là-bas, et nous nous jouons une nouvelle là. En nous résumer très rapidement, TPS là, il prolonge pour tout haïtien qui a un TPS déjà, il prolonge jusqu'au 3 février 2026. Du 4 août 2024 au 3 février 2026, il prolonge pour 18 mois. Ça, c'est pour les gens qui ont un TPS déjà, mais seulement l'administration a prolongé le pour. Maintenant, condition qui vient avec, il faut qu'on remplisse forme I-821 pour payer frais qui viennent avec là. Ensuite, au gain à partir de 1er juillet 2024 jusqu'au 30 août 2024 pour remplir forme ça. I-821, forme ça et forme TPS là. Ensuite, pendant qu'on fait là, on va tout faire forme pour application pour renouvellement permis de travail ou tout. Ni même ces formes I-765 qu'on a besoin pour appliquer, ou a besoin pour remplir, et on a payé frais ça. Frais ça, c'est $470 que lié. Donc ça veut dire, au total, on a pas besoin entre 1 200 à 1 300 $ pour deux pièces ça. On a payé pour forme I-821 avec forme I-765. Mais si on a des problèmes personnels, problèmes financiers, des provisions dans la loi, on doit faire une demande pour faire une exemption pour soulager des problèmes financiers ou pas qu'à une propre ça pour payer pour tipier ça ou pas qu'à une fois pour payer pour permis de travail là, au cas où toujours font demande demander administration une exemption pour qu'on pas payer pour que faut cadeau plutôt.
Maintenant, ça, c'est pour le monde qui a gagné TPS déjà. Maintenant, rappelons immédiatement faire application TPS 765 là, pour te permettre de travailler là. Le temps que le prend, l'administration prévoit que le pari moyen, ressources humaines assez pour tout le bail fait rapide. Eh bien, entre-temps, il y a une bonne extension pour 18 mois. C'est une extension lui-même qui a fini. Et 18 mois ça, et bien, il a fini 3 août 2025. Pour les gens qui font entrer, les gens qui partent dans le programme TPS et qui arrivent aux États-Unis, qui aux États-Unis, haïtien m'a parlé, qui partent de TPS et qui aux États-Unis, et bien, même, qui aux États-Unis jusqu'au 3 juin 2024, et bien, ou même, ou qualifié pour venir entrer dans le programme TPS là. Et là, on est dans le programme TPS là, pour te montrer aux États-Unis. Là, le document pas dit rien de ça, pour te montrer aux États-Unis jusqu'au 3 juin 2024, eh bien, ou éligible pour TPS. Ou éligible, ça c'est nouveau monde ça. Il y a calculé quantité de monde qui a bénéficié de la loi ça. Et bien, quand c'est moun qui a bénéficié, il y a 309 000, presque 310 000 Haïtiens qui, dans le pays, jusqu'au 3 juin 2024, ils ont même qualifié pour un TPS là. Et puis, à partir de là, et puis, bon, toujours, quand vous faites rentrer dans le programme, non, il faut qu'on non seulement remplit pour TPS là, on remplit pour TPS là, forme I-821, on remplit pour forme, on remplit pour permis de travail à tout qui se forme I-765 là, même frère à tout. Donc, côté l'ancien, côté nouveau, frère à pas changer. Souvent, si vous avez une situation économique, problème économique ou pas à rien, ou pas à rien, eh bien, vous êtes capable de toujours demander un waiver, ça veut dire un waiver, vous pouvez demander une exemption, que vous faites un exemple pour vous, ne faut pas payer frère. Donc, c'est ça, nous, qu'on y a là. Donc, c'était une bonne chance. Alors, mon Biden, nous l'a dans tout. Mon Biden qui vini avant 3 juin, nous-mêmes nous qualifier pour nous entrer dans TPS là, tout. Mon Biden, yo. Maintenant, l'administration toujours continue de décourager les gens pour ne pas prendre la mer. Pas prendre la mer, risquer la voie pour venir, tout comme tout. Pour pas et passer par la route pour venir passer sous frontière parce que y a pas la loi dit ou pas éligible pour venir demander asile aux États-Unis. C'est seulement monde qui là dans le pays seulement qui est éligible. Donc si vous rentrez aux États-Unis après le 3 ou pas éligible non plus pour participer dans le programme là. Si vous rentrez après le 3, date limite dans ces 3 juin que lié. Moi, je crois que je dis non, tout ça que je connais et tout ça que je gagne en termes d'information sur dossier là. Je vais retourner encore sur nous, je vais retourner encore avec même dossier ça. En réaction, gagne Galine Joseph, responsable de Haitian Bridge Alliance, une organisation haïtienne qui a défendu les migrants de couleur qui est basée dans San Diego, Californie. Il bat bravo pour mesure ça. Il bat bravo pour décision. Parce que c'est une longue bataille que militants qui ont défendu les migrants ont fait pour risquer pour arriver à San Noël. Cependant, il m'a dit l'administration en plus toujours. Il m'a dit que l'administration a même fait un petit poussé par là pour plus loin toujours. Mais tout pour l'administration a suspendu déporter les immigrants. Déporter les immigrants que le Québec parce que la situation du pays d'Haïti n'a pas changé. Donc, l'image de l'administration a dû plus de ça que le faire. Mais le bat bravo pour ça. Il dit c'est fort que vous faites. Tout le monde est bien content pour ça. Mais je crois que l'administration, l'image pour l'administration, par exemple, libérer les gens qui sont en prison, les gens qui sont en prison et qui ont des problèmes, etc. Il y a des gens qui ont arrêté, qui ont arrêté sur le fonctionnement pour libérer les gens et permettre de bénéficier de tout eux-mêmes. Donc, ça, c'était en réaction à Galine Joseph, qui est responsable, et Shane Bridge-Alliance, qui a réagi tout sous le mais le bat bravo. Il dit c'est un bon bagage. Il a déjà fait effort pour ça. Il a demandé pour inclure tout le monde
Il était entré dans le pays, il était même demandé pour être, et au lieu de 3 juin, on connaît, décret a fini pour déjà, mais au lieu de 3 juin, pour être prolongé, juste devant, puis devant toujours, pour être facilité plus mon entraîneur dans le programme, non? Mais on connaît l'administration qui a l'impression qu'il a fait qu'on a pour que le Congrès a dit même l'État fait. Parce que ça, on réforme en général sur l'immigration et son bail que surtout républicain n'a pas fini trop danser. Non, et bien nous dit que la décision, ça va venir après le premier débat à l'élection présidentielle. L'administration, en fait, président Biden fait avec le candidat à parti républicain Donald Trump. Et sujet immigration était un débat. C'était une question côté ancien président Donald Trump. Utilisé contre l'administration, surtout sur quantité d'immigrants qui traversent ces frontières illégalement, et Trump dit que c'est une sorte de vanne. Donc, on ne sait pas le passé qu'on y a là. Donc, moi, je dis non, ça nous a demandé à, moi, qui a demandé prolongement, qui a demandé ça qui a passé, eh bien, nous jouons. Est-ce que ça ne nous dit pas assez? Peut-être oui. Il y a quelqu'un qui dit que, bon, mon camarade de policier a dit, pour ça, on va te faire le discours. Je dis à combien? Je dis à 28, pour ça, on va te faire le 27, jusqu'au 27 juin. Bon, vous voyez? T'as qu'à gagner plus de monde qui l'a donné, mais on met le discours 3 juin. Rappelons. Résumé pour nous. OK, il a prolongé TPS pour tout le monde qui a TPS déjà, il a prolongé pour 18 mois, et il a fini jusqu'au 3 février 2026, et à partir de août 2024, et la fin 3 février 2026, ça fait 18 mois. Et puis, on gagne 2 mois pour appliquer à partir du 1er juillet jusqu'au 30 août 2024. On gagne 2 mois pour appliquer. Mais forme où pour appliquer, on appliquer forme I-821, c'est forme pour TPA. Même si tu gagnes, il faut réappliquer encore pour entrer dans le programme, il faut réappliquer. Et puis, en même temps, on appliquer pour permis de travail, qui c'est forme I-765, et forme ça lui-même, les coûts aux $470, et puis plus frais pour payer pour TPS là. Donc, on besoin à peu près $1,300, et c'est sûrement qu'on fait pour vous, c'est au côté avocat aller, donc, attendons que la plus toujours que ça. Ça m'a dit, là, si vous faites le même. Mais dans sous pas de TPS, montrant entrer aux États-Unis après la mort Jovenel, date ça va cesser, date ça m'a rappelé, dernière fois j'étais à Bali, autant entrer aux États-Unis après la mort Jovenel, ou pas de TPS, eh bien, ou éligible pour TPS, parce qu'il y a des en Haïti, et l'administration, bah, toute raison, bah, situation politique pays, situation, toute bah, qui est intempérie, mauvais temps, toute bah, qui a frappé Haïti, toute raison, ça le bah, pour, situation sanitaire, toutes ces raisons que le bah, ils ont fait, redessiner Haïti pour faire partie et pour entrer dans le programme TPS. Mais si vous entrez dans le pays à partir de l'ESA et vous êtes dans le pays jusqu'au 3 juin, eh bien, vous êtes éligible pour nous et vous même pour remplir la forme I-821 pour payer frère et vous pour remplir la forme I-765 qui s'est permis pour travailler là. En même temps, vous ne pas demander une social sécurité et tout parce que vous pouvez remplir la forme I-765, il demande, est-ce qu'on a besoin de social sécurité? Rappelez-vous la question, ça, pour dire. Et donc, c'est des rendez-vous que nous gagnons avant. Et qu'on y a ces live tout chaud, il y a un plaisir pour nous avoir, pour nous, un grand point qui a dominé l'actualité. Grand point, hein, c'est définitivement premier contingent et policier Kenya qui est rentré dans le pays d'Haïti depuis hier. Et je dis encore, d'après quelques nouvelles que nous pouvons vraiment qu'à vérifier, eh bien, il y a un deuxième contingent qui t'a supposé entrer dans le pays. Nous avons essayé d'entrer en contact avec quelques officiels haïtiens qui sont toujours en difficulté. Il y a un vol normalement que nous avons essayé de suivre et qui, dans mi temps information ça qui t'a parlé de contingent qui a entré dans Haïti en deuxième et qui montrait que, eh bien, avion ça t'a quitté Nairobi et puis pour faire un scale dans New York City. Et puis, pour arriver dans le pays d'Haïti, ou bien dans Port-au-Prince, plus précisément, et vers zone 6h. Mais nous, dans l'information que nous-mêmes avons bousqué par bon ici, dans VOA Creole, nous avons essayé de jouer l'information, notamment sous vol-là, mais nous pouvons pas jouer aucune confirmation sous tout détail qui a un rapport avec vol-là. C'est ça qui fait que toutes les bagages étaient au conditionnel pour un deuxième contingent à rentrer dans le pays. Hier, t'es gagné premier ministre Gary Kony, lui-même qui était à visiter base policière Kenya ça dans Port-au-Prince là côté lui réitérer un engagement que lui dit que le gagne tout avec pays Kenya pour y un objectif et un engagement ensemble pour capable rétablir et l'ordre sécuritaire dans pays d'Haïti ville par ville
et département par département, commune par commune, arrondissement par arrondissement, section communale par section communale pour mettre la paix dans le pays et d'Haïti. Et nous sommes capables de tout, et il y a l'autre monde qui fait déclaration tout dans le même sens. Il y a une pile réaction tout qui sorti dans Washington et il y a pile monde qui parlait notamment de réaction John Kirby. John Kirby, c'est responsable de communication dans la Maison Blanche. Il y a tout Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État américain. Et puis il y a président Joe Biden tout qui t'est parlé, qui bat bravo pour arriver force Kenya yo dans le pays d'Haïti. Il dit grâce à support. États-Unis, force Kenya yo, qui fait partie mission MMAS là, qui c'est mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Il dit que y a tant mais GFOR qui pral bay haïtien yo un soulagement que au besoin en pile. Déclaration ça paraît dans site officiel et la Maison Blanche côté exprimer gratitude pour pays qui yo même pral porter volontaire pour capable venir porter coller. Et président Biden dit encore que moi félicité et puis moi très reconnaissant devant tout pays qui promet personnel avec support financier pour appuyer mission ça qui pral gagner éventuellement 2500 membres et la donne que Kenya pral diriger parmi eux gain pays tankou et Bénin, Jamaïque, Bahamas, Belize, Barbade, Antigua, Barbuda, Bangladesh, Algérie, Canada, la France, l'Allemagne, Trinidad Tobago, Turquie, Royaume-Uni, et Espagne. Donc un paquet de pays qui dit mieux même qui dit y a poté support pour mission ça qui a gagné la donne 2500 membres. D'après la Maison Blanche, États-Unis by Haïti plus passé 300 millions de dollars assistance et puis il y a fait de 60 millions de dollars équipement. Ma prendre chiffre là pour et dans contribution les États-Unis c'est 300 millions assistance et puis il y a fait de 60 millions et dollars équipement. Déclaration et président Biden non fini pour le dire Haïti c'est un pays extraordinaire et peuple haïtien méritait ça moun tout partout mérité en parlant de sécurité et opportunité et liberté. La vie américaine enrichie grâce à contribution immigrants haïtiens et citoyens haïtiens américains. Les États-Unis étaient toujours et pral toujours continuer disposer assistance importante dans la question sécurité humanitaire et développement économique et la donne des supports ferme administration moyen pour commerce préférentiel avec Haïti. Donc c'est déclaration que président Joe Biden fait dans occasion arrivé premier contingent premier groupe policier Kenya dans le pays d'Haïti. On dit tout que le ministre Affaires étrangères pays Canada en parlant de Mélanie Joly qui a annoncé pays verser yon lot 5 700 000 dollars pour soutenir mission multinationale là et elle dit yon lot là ça veut dire que était déjà décaissé déjà pour COP Haïti. Madame Joly fait connaître que la contribue pays a contribué tout sous l'autre forme action pour et par exemple la porter formation pour agents qui déployent et la table mécanisme pour éviter que tu as gagné violation de monde, violation sexuelle qui a un rapport avec la guerre. Faut dire question ça son question qui n'en débat parce qu'il y a parlé de immunité pour membre MMAS là et entendez que gagne plusieurs excusez-moi gagne plusieurs et spécialistes en droit qui a parlé de causer ça notamment nous attendez et mettre Madistin, Samuel Madistin, sous les radios Télémétropole, qui a parlé de questions immunitaires, à côté que si on monte fait, un membre équipe a fait violation, eh bien, faut y aller juger dans l'autre pays. Donc, c'est déclaration, mettre Madistin fait sous Métropole, n'a essayé de joindre pour être capable et venir porter plus éclaircissement pour nous sous VOA Créole. Mais pendant ce temps, pendant que Kenya a voyé premier contingent dans le pays d'Haïti, mais Kenya en grande très grande difficulté, surtout président William Ruto. Moun ap mouri et avant hier, te gagné peuple souverain et peuple souverain, l'un dit peuple souverain, il y a plus de générations, et c'est un paquet de jeunes, et génération Z, génération X, les millennium, il y a un paquet qui débarquait et même président William Ruto, te même dit dans une cérémonie religieuse que t'allais, il dit, li saluer. Et il salue force avec vigueur que la jeunesse gagne. Mais bagala vire mal parce que avant hier, il est entré en dans le parlement, il a boulé, il a mis du feu, il est entré avec fracas. Et finalement, hier, il y a un président Ruto qui fait bac sous projet budgétaire, sous loi financée
2024-2025 là. Mais malgré ça, nous pensons que hier, les présidents ont fait bac sous projet. Et bien, t'as bon calmi, t'as bon, t'as fait bac tout. Et bien, ah, bah, elle arrive pire. Je dis encore, et bien, moun yo a tapé béton, hein? Yo descend dans béton, yo descend sous béton, hein? Pour yo même qu'on y a, yo pas demandé retrait loi, non, qu'on y a, c'est yo qui a demandé démission président William Ruto dans le pays Kenya. Donc, n'a pas là, n'a pas moi, n'a pas là, Kenya chaud. Pendant que les troupes kenyaïennes sont même dans le pays d'Haïti pour aider dans la question sécurité. Et puis, toujours dans l'actualité, aujourd'hui, c'est un jour important. Même Jean Kegemon qui dit que le 25 juin sont date pour Kembe dans l'histoire du pays d'Haïti. Mais aujourd'hui, tout important dans l'actualité électorale ici aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le 27 juin 2024. Eh bien, c'est le premier débat qui gagne dans le cadre élection ou bien campagne ou bien activité préélectorale qui gagne pour élection et présidentielle qui pourra le dérouler en novembre, 5 novembre 2024. Donc, et tant que nous toujours hésiter pour nous dire deux candidats principaux partis, parce que normalement, selon culture et américaine, la culture électorale, là, c'est dans une convention que vous décidez. Qui est, qui est, qui prend le candidat en parti. Mais tout porte à quoi? Tout signe a montré que, eh bien, pour le Parti démocrate, là, c'est définitivement président Joe Biden, président démocrate, là, Joe Biden, qui prend le représenter le Parti démocrate. Là, et puis, pour le Parti républicain, c'est ancien président Donald Trump. C'est ça qui fait que, à Soya, il y a un gros débat qui a fait dans Atlanta, gros débat, mais il y a un paquet de dispositions. CNN, qui lui-même, eh bien, dans la tête, c'est lui qui a diffusé le débat. Eh bien, il y a un paquet de dispositions dans le débat. Ça. Première disposition, c'est que micro, deux micros, il va le contrôler, monitorer deux micros. Ça veut dire que les anciens présidents et Joe et pas Joe, non, et Donald Trump a parlé, il a fermé par le président Joe Biden. Et même j'entends les présidents Joe Biden a parlé, il a fermé par l'ancien président et Donald Trump. C'est pour éviter gros commotion, gros échange. Il y en a monté sous l'autre qui était fait dans le dernier débat qui était gagné, les deux messieurs, parce que ça nous va regarder en novembre, c'est pratiquement un remake ou bien un rematch qui pourrait le gagner et par rapport à l'élection avant ça. Donc, il y a pile bagaille que vous faites, ou pas capable de gagner, par exemple, un souffleur ou bien un conseiller qui a dans les oreilles, ou pas gagner non plus téléprompteur, il y a texte qu'on capable gagner sur on apparaît cap rouler devant pas gagner ça. Donc ça veut dire que et pas gagner public cap chauffer tout non plus. Donc il prend un pile règlement pour que eh ben vraiment que ça cap passer bien, parce que en plus spécialiste dit que c'est l'image des États-Unis que vendent à travers yon débat comme ça. Donc à soya eh ben yo pral américain gon le exact que le passé par ça, et c'est toujours na soirée 8 9 heures comme ça yo toujours passé, parce que c'est l'heure de ça, yo les heures de print aux États-Unis côté que toute famille ben yo la caillou yo réuni et y a regardé télévision. Donc à soir son gros rendez-vous en pile yeux braqué sous rendez-vous ça. Et puis ta Jean Robert Philippe pral gain pour le présenter nous yon ça en anglais yon preview, ça nous relé en créole yon aperçu, yon idée de ça qui pral passer à soir. Faut dire que médias américains yo, gros médias américains yo, eh ben yo prend ça très au sérieux. Yo gagne qui fait même yo repasser et débat qui était fait déjà, gagne qui prend chaque candidat qui j'ai été réagi par rapport à débat que yo passé là-dedans. Donc c'est pour dire que eh ben à soir son bail sérieux, pral gagne débat entre ancien président républicain Donald Trump avec président démocrate actuel là n'a parlé de Joe Biden. Et l'autre point dans actualité a c'est un coup d'état raté dans pays Bolivie contre président Luis Arce. Eh ben chef là mais en parlant de Juan ou bien ancien chef là parce qu'on y a monsieur Mbacode, chef là mais ou bien ancien chef là mais Juan José Zuniga, eh ben qui était dans tête mouvement coup d'état raté, monsieur j'ai une arrestation hier. Parce que monsieur te voyait carrément yon groupe soldat avec tank prend position devant building gouvernement. Troupe avec tank yon te entré dans Plaza Mourinho, qui c'est yon place et qui définitivement yon place historique. Et côté présidence là à Congrès yon situé
et ben c'est dans l'après-midi que ça t'est fait. Yon nan tan ke te essaye même craser yon sa yo tare lon barrière métallique, on porte métallique nan palais présidentiel la. Donc te gagnen tout et ben chef l'état et pas chef l'état, chef et l'armée qui pas chef l'armée encore jodi a, et ben tantou avec soldat avec 8 tanks côté que li di que n'a parlé de général Juan José Zuniga qui dit que force l'armée gain intention restructurer démocratie, faire li yon vraie démocratie, et puis pour yon démocratie qui gagne qui pas gagne en tête li yon seul monde qui a dirigé depuis 30 à 40 l'année. C'est un petit temps après ça tout que reporter AFP yo te wè soldat ak tank yo ki t'ap rete koyo sous place. Donc soulèvement ça a été duré environ 50 ans, tentative pour l'état ça que 50 ans. Yon petit temps après te gagne Zuniga, donc ancien chef l'armée qui connait dans prison. Eh ben, il était en bas, mais la police, et puis il forçait, il était forcé d'entrer dans une machine, police, pendant qu'il t'a parlé, il dit au porteur comme ça. Attendez bien, il a parlé de ancien chef l'armée, Zuniga. Il dit que, ça nous est là, il va vrai. Il dit que c'est chef d'État même, en parlant de président AC, qui lui-même t'a dit pour le forger un coup d'État même, contre lui, pour le capable de gagner plus popularité dans pays. Donc, ministre intérieur adjoint, Johnny Aguilera, te dit Zuniga, général, ou en état d'arrestation. Donc, c'est pas monsieur qui a sorti à lui-même, et puis monsieur a raconté aux journalistes qui causé ça, qui dit que c'est pas lui-même qui fait coup d'état, c'est le président même qui te mandé, fait ça comme si son chorégraphiste, son pièce théâtre, mais ministre intérieur, Johnny Aguilera dit, monsieur, général, ou en état d'arrestation. Président, c'est lui-même. Tout l'été parlé avec le peuple bolivien, dans un balcon en palais, devant des centaines de supporters, il dit, pas de monde qui a retiré la démocratie, nous te gagné. Donc, son démocratie qui n'a pas nous, n'a pas qu'un bel et peuple l'a mérité ça. Il dit, bien bonheur, il demande au peuple bolivien pour lui organiser, le mobiliser le contre coup d'État et pour lui prendre position en faveur de la démocratie. C'est dans un message télévisé, Lydie, peuple encore, peuple bolivien, organisé et mobilisé contre coup d'État en faveur de démocratie. Donc, jusqu'à avant, ancien chef d'État a été joué une arrestation, en parlant de Zuniga, il a dit au Portéo, c'est actuellement président lui-même qui n'a tête toute cause ça. Donc, faut dire que dans l'opposition, il y a un ancien président Evo Morales qui était écrit sous compte X que coup d'État a préparé et il t'a demandé tout une mobilisation nationale pour défendre la démocratie. Donc, il y a un général là tout, général là, instruction ACO, t'es campé, t'es sapé un bagage pour augmenter la popularité. Il dit, c'est un bagage que le président ACO t'a demandé pour augmenter la popularité. Donc, même Evo Morales lui-même, il prend position. Evo Morales qui pratiquement est en opposition, il prend position contre le coup d'État ça. Et même, groupe opposition t'es contre lui parce que, eh ben, lui-même, si on était pour une position, il était pour que c'était monde qui pas légal, parce que y a un président qui nommé qui démocratiquement élu, eh ben pour faire ça, ça veut dire ou contre la démocratie. Donc ça veut dire que Bolivie c'est un pays qui gagne une longue histoire de coup d'État, et nous-mêmes et Haïti c'est un bagage que l'on aime parce que Haïti lui-même vit en pile coup d'État et Bolivie qu'on a gagné. Gagne coup d'état ça, donc je dis que la presse Amérique latine relaye information ça, c'est lui qui fait la une, quoi les Colombie qui tout prêt, quoi les Venezuela, Cuba, toute zone Amérique latine, Argentine, Amérique du Sud lui-même, toute zone là lui-même, il y a même il y a relayé information ça, coup tentative coup d'état ça qui était qui arrivait dans Bolivie. Donc en gros c'est ça nous gagne et pour jodia, donc rendez-vous c'est à 4 heures pour rendez-vous info, mais nous connaissons pas le cap dominé actualité, c'est question troupes Kenya qui arrivent en Haïti depuis hier, bon premier contingent qui arrivait, premier ministre a tal visité, mais faut dire tout, parallèlement avec ça, il y a un paquet causé dans diplomatie haïtienne avec madame Dominique Dupuy, qui lui-même, d'une part, c'est ministre affaires étrangères et des cultes, et ces ministres tout haïtien qui vivent à l'étranger. Il fait un pile et rappel, un pile monde, il rappelle un pile ambassadeur, il fait un pile changement dans la diplomatie. Et donc, madame, ça allait bien vite dans
et monté comme ministre. Donc, son en situation tout qui demandait que pour nous suivre, ça a passé. Mais une question que avant mal me poser, que un pile monde qui a parlé spécialiste pour qu'on gagne vraiment réponse là, qui premier tâche et premier contingent ça, qui premier travail que le pral fait, qui ça en premier que le pral fait pour capable montrer que parce que gonfle force là, qui gens que trop contingent ça pral exprimer, pral ou nous t'a dit illustrer présence li sous territoire pays d'Haïti. Donc son question qu'a posé, grand pile question qui posait concernant et mission force multinationale ça qui dans pays d'Haïti. Qui ça le pral fait, qui premier bagaille que le pral fait. Donc en pile question à poser pendant ce temps il y a des gens qui croient tout que ben premier ministre Guy Koni qui ont déjà occupé tout espace politique à nous pas tant de trop et nous pas tant de trop commission et commission qui gagne la qui présidentielle là. Commission présidentielle de transition, nous partons en pile. Donc, nous allons suivre parce que grand pile changement, grand pile causé qui a parlé dans la politique pays d'Haïti. Donc, merci pour ce que nous t'es branché dans Live Tout Show. Nous disons salut tout le monde. Pendant ce temps, nous connaissons que Coupe d'Europe des Nations après l'autre phase, parce que il y a 8e de finale de Cap Vini, il y a tout et Copa América. Cap avance tout et gen Lionel Messi qui en difficulté, nous te gen Mbappé qui te gen Nkassé, qu'on y a gen Lionel Messi qui a joué dans Argentine, donc n'a su pour ou et n'a pas tes résultats ou pour Pita et nan rendez-vous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité. C'est un plaisir, comme d'habitude pour nous avec nous, VOA Creole toujours et content avec vous pour présenter vous. Dernière nouvelle que nous gagnons et pour vous. Donc, prochain rendez-vous, c'est à 4h. Nous avons des correspondants nous, qui sous place dans Port-au-Prince. Par exemple, notamment, Massado Ville, mais gagné une équipe journaliste qui était débarqué dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture là, sachant que tu as pas gagné en deuxième contingent que tu as privé. Mais, yo pratiquement sorti bredouille, mais pas totalement bredouille, parce que quand même, l'eau allait dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture là, quand même, il y a des images. Et, il y a des gens qui l'ont, des journalistes qui l'ont, et un paquet de bail qu'on capable et ou capable faire et un reportage à partir de là. Donc journaliste allait le déplacer et ben toujours pas quitter, pas sortir bredou tant que nous te gain et correspondant de Massado Ville mais qui sous place sur responsabilité Oui. Occupé. Papa est punir là. Donc, ils sont des gars qui ont problème qui sont là. Mais moi-même, tout le monde, si ils sont pas bons, on ne va pas continuer. Donc, monsieur, que nous disons que s'ils sont bons ou pas, on va continuer. Si nous attendons bien, on va pas continuer. Donc, même si nous avons fait là, contre son problème technique lié, nous avons un contrôle solide. Donc, fais-moi connaître s'ils sont bons. Et il dit oui. Ok. Et tout le monde dit oui. C'est que je regarde avec nous. Mais l'actualité assez justement. Et ça, les congrès ou bien encore les rencontres que le Premier ministre a gagné, c'est une sorte de réunion et que le Premier ministre a gagné avec le membre gouvernement, une réunion 4 jours, pour de discuter, consigne ça que le membre gouvernement a fait et qui s'est attendu. Ça, c'est ça, les feuilles de route. Que le Premier ministre pourra exécuter, qu'on a pu dire qu'il s'est attendu dans le jour qui va venir, etc.
Donc, rencontre ça a été déroulée vendredi et samedi. Donc, il y a un bail, ça veut dire qu'on a les bols en mer avec eux. On a un hôtel qui est bol en mer. Donc, face ça, il n'y a pas de cas aller, bon, pour raison de sécurité. Donc, le premier ministre, il y a un problème de sécurité et tout. Donc, il y a parlé de questions de monde qui n'a pas arrivé au travail. Donc, il y a un appel qui a pensé pour dire, faut que tout était bien. Réfléchir, il a parlé de monde qui pas venir travailler, guider monde qui pas venir travailler tout simplement. C'est pas pour nous exprès le faire, c'est parce que tout simplement des cas libandi envahi car là ou bien c'est insécurité dans son cas, il fait que le pas cas, il y a l'autre cas côté c'est côté monde a travaillé là même qui est insécurité. Par exemple, un monde qui travaille dans le bureau premier ministre dans zone bicentenaire, monde qui attend c'est le ministère qui au même pas même existant encore parce que insécurité dans son fait que et ou bien encore moun occupé local là etc. Donc donc il y a un monde qui a pris appel pour dire il faut que les responsables prennent plus de précautions. Là pas de monde qui pas venir travailler ou bien après le absentéisme, il y a l'absentéisme volontaire tout, il y a l'absentéisme c'est pas exprès, il est probable qu'il y a un monde qui pas le travail alors que monde ça dans pays étranger monde ça ou bien l'île là dans pays pas le travail alors que conditions sécuritaires, il y a un monde qui obligé quitter la caillou qui retourne dans pays d'ailleurs que dans ville natale. Parce que le problème d'insécurité est tellement grave pour lui, on n'a pas qu'à bailler, on n'a pas qu'à risquer la ville. Il y a des gens qui sont allés, ils ne sont pas allés, tout simplement pour le problème d'insécurité. Donc, on n'a pas qu'à problème qui peut résoudre. L'autre question, c'est la question tout Kenya. En fait, nouvelle qui se tient dans Nairobi, fait qu'on est que d'abord que l'autorité a nommé un nouveau commandant pour mission même, qui peut aller en Haïti, et d'après toute nouvelle qui se tient dans Nairobi, eh bien, Tadoui quitter Kenya demain. Donc, dès demain, il a de commencer à arriver en Haïti. Donc, c'est ça qu'il dit, mais, étant donné qu'il était toujours, renvoi qu'après les fêtes, soit fait mission, donc, il était un peu de difficulté, mais on pas fini quoi que le véritable. Mais, il t'a semblé que, fois ça, c'est tout bon vrai. Et, en fait, c'est une décision qui prend tour après dernière annonce que, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, fait récemment pour contourner et congrès, nous rappeler congrès, et surtout les républicains ont bloqué et assistance ou l'argent que était pour bail pour mission 1 et bien et dernièrement c'est les américains Anthony Blinken a annoncé que le département d'État lui-même a bail plus passé 100 millions de dollars pour mission ça le Canada qui déjà apporte bail la France a bail l'autre pays qui ça a bail et les pays tout cap contribué dans la mission ça veut dire au moins comme ça que le département d'État bail qui déjà qui en garantie c'est peut-être moyen qui motiver autorité kenyane pour mission démarrer donc selon tout ça qui dit et bien mission t'a dû déraper et arriver en Haïti à partir de demain donc son mission cap graduellement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout groupe là qui a privé, ce n'est pas groupe qui a privé, ils sont plus établis et puis il y a tout équipement que les assemblés que Kenya a besoin pour travailler là qui a fait. Et bien, l'équipement, ça a été tout sous place. Mais, on a peut-être seulement simplement. Donc, les conditions, la police nationale a gagné actuellement un nouveau directeur, c'est Normie Damo, qui retourne dans le poste encore. Donc, M. Sali depuis samedi. Et M. est participé ensemble avec le premier ministre dans le premier, et dans le premier, et premier réunion au niveau, et au niveau conseil national, conseil police national là, ensemble avec le ministre de justice là, donc M. le président, donc seulement il y a un problème question sécurité a été discuté dans la rencontre ça, et qui est capable faire Haïti reprendre le droit encore, c'est-à-dire que pour l'État de droit retourner, pour que l'autorité reprenne le droit encore, c'est-à-dire que Haïti peut être l'autorité légitime. Et légitime, donc ça veut dire besoin de reprendre le bazar. Donc c'est autant de questions qu'à bail, et puis voilà. Et nous, on a fait le mois de juin, donc, mission, hein, que le Conseil de sécurité nationale a été voté pour le débarquement dans un an, ben, pratiquement, madame, ça prend fin dans à peu près une semaine, dans le commencement du mois de juillet. Donc, il y a une question à poser, est-ce que les Nations Unies, après, elles voté pour bailler mission, pour prolonger mission, ballon l'autre année encore, parce que l'EF bail a été fait là, entre temps, un paquet de bail qui passait, mission par exemple qui a pris vrai, mission par exemple qui a lancé tout, il y a une question pour te signer un document, pour te signer au point de vue légal, etc., tout bas, ça peut être fait. Finalement, ça a fait Kenya, autorité haïtienne a visité Kenya, et Kenya a été en mission fact-finding, c'est-à-dire une mission de reconnaissance en Haïti,
et puis vendredi et autorité haïtienne se présente à Haïti dans l'OEA qui signe avec l'ambassade de Kenya en Haïti aussi un document qui est probablement le dernier document de signé, mais ça a été fait vendredi dans Washington. Donc, route là, l'ouvre pratiquement, tout le bas, tout handicap qui est nécessaire, tout handicap ça, il est censé passer. En tout cas, moi, je suis ici, moi, là, comme je dis, je parle surtout de question élection, élection aux États-Unis. Et d'abord, il y a un premier débat, une série de débats qui est fait. Et c'est le premier qui a fait. Et c'est pas jeudi. Et entre président sortant, on a parlé que Joe Biden avec ancien président américain et Donald Trump sous ancien président Donald Trump qui débat ça, mais et son débat en pile, on n'a pas attendu, il y a en pile question capable de figurer dans le débat ça, question immigration, question par exemple condamnation que le président Donald Trump s'est condamné récemment dans New York à cause de l'argent qui a une fille que le gars a fait avec elle. Et bien, pour te acheter silence, fait ça, et bien, le tribunal a été joué, le jury a été joué que était coupable de 34 chefs d'accusation. Et bien, il y a une question à poser, est-ce que la question ça doit faire partie des débats ou bien est-ce que le président Biden doit utiliser ça pour faire partie des débats pour la patate? En tout cas, l'ancien président qui a participé dans un meeting de masse et dans Philadelphie pendant le week-end, et bien, il était lui-même. Il dit que le parle en appel avec question ça lui-même. C'est bon, question pour encore discussion. Mais il te fait public là qu'on est que position le tout sous dossier immigration. Il dit que le premier jour que les films remportent l'élection, le premier jour que les films prédécemment, et bien, première action la poser, c'est commencer, ça va être une opération déportation. Tout le monde qui habite aux États-Unis illégalement. Donc, l'idée à dire déjà, et il n'y a pas un cas de sentiment pour le dire, parce que dire une démocratie responsable, situation de sécurité qui se font. En fait, il y a un porte-parole, M. Mitch, qui est lui-même, qui est un vice-président de campagne pour réélection du président Biden avec Kamala Harris, là. Et bien, il y a une chaîne de télévision NBC, Mid de presse, et bien, il dit que le problème frontière a existé depuis longtemps, ce n'est pas eux-mêmes. Le problème a existé depuis 20 à 30 ans. Et la première action que le président Biden a fait en 2021, après le défin et prêté serment comme président, et bien, la première action qui a été posée, c'était voyer un projet de loi sur réforme immigratoire, mais il dit que le projet de loi, le président et la République étaient prêts de la gueule dans la poubelle, donc il n'y a pas de faire rien avec, donc il n'y a pas qu'à prendre les responsables, je veux dire, parce que il n'y a pas de nécessité pour qu'il y ait une réforme qui fait. C'est vrai, il dit tout que la République eux-mêmes, en tant que, ils ont déjà fait ça, puis ils ont fait déjà, le président Biden a pris deux décrets d'abord pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile sur frontière, sous entrée de façon légale. Et il prend l'autre décret qui est pour légaliser immigrants qui vivent aux États-Unis depuis 10 ans pour Bibiti, qui vivent illégalement aux États-Unis depuis 10 ans et qui sont mariés avec un Américain, mais sont capables de légaliser ce statut sans pas besoin de retourner dans le pays. Donc ces deux gros actions étaient probablement gagner l'autre action encore que le président Biden a posé dans le jour qui a venu là-haut, ou bien dans le jour qui a venu là-haut, pas oublier nous dans la période électorale. Et c'était même vendredi à tout, le président Biden a annoncé tout, et statut de protection temporaire pour 5 pays, et le Salvador, et Népal, mais il y a un peu de monde qui a dit oui, mais Haïti pas là-dedans. Dossier Haïti a censé. Petit pièce pour Haïti a fini pratiquement le 3 août. Donc, ça veut dire que fenêtre 60 jours que le président a gagné pour prendre une décision sur le dossier Haïti, nous sommes toujours dans la fenêtre ça. Donc, en nous temps, pour nous, quelle décision qu'elle prend. Mais entre temps, militants, c'est tout le monde qui a défendu les migrants. Et bien, même, ils continuent à travailler avec l'administration pour voir si c'est arabe. Non seulement renouveler petit pièce pour Haïtiens qui n'ont pas payé longtemps, mais tout redessiner Haïti pour. TPS, tout ça, c'est que redessiner Haïti, c'est que redessiner Haïti, c'est que ajouter les gens qui deviennent dans le pays après le dernier TPS là, les gens qui deviennent dans le pays après l'an, moi, je vais Moïse, donc ajouter. Que ce soit en Europe, que ce soit dans la Copa América. Et d'abord, on a dit que dans le moment, on a parlé là, gagné dans le groupe DA, dans la Coupe d'Europe des Nations, c'est la troisième journée dans le groupe DA, et bien, il y a la France qui a joué avec la Pologne. 0-0, mathématiquement, la France
t'a qualifié et yon nan fait qui marquant dans match la France pour l'Hollande, c'est que gagné Mbappé, nous connaissons qui te gagné problème et Nelan, et ben monsieur retourné et avec Masli et pour match ça. Et puis l'autre match qui est important encore, c'est et Pays-Bas, la Hollande qui a joué avec Autriche. Et dans le moment où on a parlé là, Autriche qui a mené 1-0 sur la Hollande. Et puis l'autre match là, France-Pologne, est toujours 0-0. Donc, ça c'est dans le sport. Et nous connaissons que pour mon pays d'Haïti, nous connaissons que ce pays d'Haïti, c'est côté grand pile en pile fanatique Brésil. Et bien, hier, mon yo dormi mal. Hier, parce que Costa Rica, yon ti pays nan kon kakaf la, en ben li kebe tèt. Teng an teng avec Brésil, match a fini 0-0. Yon lot fait marquant et particulier nan match a, c'est que Vinicius superstar et Real Madrid la, en ben monsieur, yon retire monsieur nan match sa. Donc Brésil, ben la fini 0-0. Alors que gran pil moun ki tap, yon même, yon tap du kon a combien gol que match là a fini parce que yo te bay déjà le Brésil comme le grandissime favori tout pour compétition, mais nous ta même dit le fait bec à tête devant Costa Rica et match là fini 0-0. En allant l'autre plus gros point qui a dominé actualité a, et ben c'est tout pays Kenya yo qui rivé dans l'aéroport Toussaint l'ouverture là matin, il était vers zone 9h20 9h30 et gen media qui bay précision qui dit à 9h23. Yo t'est arrivé, mais gen l'autre moun ki bay l'autre chiffre tout, mais c'est entre 9h20 et 9h30, et ben troupe Kenya yo même yo débarqué dans pays d'Haïti. C'est dans cadre mission dans MMAS là, c'est mission multinationale appui pour sécurité dans pays d'Haïti. Donc c'est un vocabulaire que n'a kembe konya, MMAS, mission multinationale pour appui sécurité dans pays d'Haïti. Donc troupe yo t'est rivé et nous capable ouais, mais gen media qui publié la Voix de l'Amérique tout publié les monsieur quitté Nairobi, quitté Kenya et yo t'est à bord avion, t'est capable ouais dans avion qui prend photo, mais c'est avec une joie que nous ouais monsieur débarqué et nous ouais monsieur dans avion hein, là yo débarqué avec drapeau pays Kenya et yo chanté tout dans il est arrivé à l'aéroport. Donc, c'est un premier contingent, ça veut dire un premier groupe qui vini, et nombre là c'était 400, et nous étions capables de voir président Kenya, et William Ruto, qui lui-même t'a rencontré monsieur avant que yo quitté Kenya pour yo rentrer en Haïti, dans le cadre de mission yo, dans le pays d'Haïti. Donc, l'arrivée dans l'aéroport, après ça, bon, journaliste pas gain accès que journaliste pas gain. Mais monsieur yo ou bien troupe yo même qu'on y a allé nan et base côté que yo quitté pour yo a et pourquoi gain on déclaration gros déclaration qui fait concernant ça nous même n'a pas essayé joindre et ça pour nous. Donc c'est comme ça situation y a gagné et plusieurs déclarations qui fait. Par exemple, gagné Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État américain qui dit c'est un premier parmi plusieurs étapes importantes pour rétablir sécurité et prospérité dans le pays d'Haïti. Et monsieur Miller dit mission historique que Haïti t'a demandé et que Conseil sécurité de l'ONU t'a autorisé, et ben vraiment c'est un effort international, c'est une façon pour dire que c'est pas seulement Kenya, même si Kenya dans tête li, mais gen l'autre pays qui a poté collé. Nous connaissons Kenya lui-même il t'a proposé 1000 policiers, mais en attendant que li voyait 400 d'après chiffre. Et monsieur Miller continue pour dire nous espérons ouais amélioration mesurable vis-à-vis sécurité, surtout par rapport à accès et à assistance humanitaire à activité économique essentielle. Ça pral aider Kenya et qu'aider créer conditions à sécurité nécessaires pour élection libre, honnête et démocratique faite dans l'avenir. Donc ça c'est parole Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État ici aux États-Unis. Donc c'est réaction le il était confirmé pour et pour nous que eh ben troupes Kenya ont vraiment quitté Kenya pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui est très spéciale parce que dans le moment que Kenya et voyez troupes eh ben tête chargée dans le pays Kenya. Tête chargée depuis quelques jours côté que il y a un paquet de manifestants
un peu partout dans le Kenya qui a protesté contre une loi sous budget. Et là-dedans, il y a plus jeune, et monsieur le président Kenya, lui-même, William Ruto, il était participé à une cérémonie religieuse, il parlait, et lui-même, il dit que il félicite les jeunes parce que il voit que les jeunes ont une pile fougue, ils ont une pile énergie, et il bat bravo pour ça. Mais en attendant, ces manifestations anti-gouvernementales, j'avais dit contre le président William Ruto, et président Ruto lui-même et bon l'a joué l'a fait le jeu de la communication côté que eh ben il pas ignoré ça qu'a fait là côté que il même félicité de ce que yo gagne en pile neige et jodi a bagala bala mangomé gen 5 moun qui mouri gen plus passé une trentaine de moun qui blessé côté que manifestants yo rentré avec fracas et yo mettre du feu dans yo rentré dans parlement donc yo fait bah tête chargée donc en attendant bilan c'est jusqu'à présent, eh ben c'est 5 moun qui mouri et on trentaine de l'autre blessé, gen chiffre qui bay 31 moun qui t'a blessé. Donc c'est pratiquement situation entre Kenya a dominé actualité. Premièrement premier contingent rivé dans Port-au-Prince et dans aéroport Toussaint Louverture là et yo déjà qu'on y a pral établi, pral tablio, yo pral prend logement dans base qui était aménagé pour yoa et c'est comme ça d'après correspondant nous sous place qui fait nous connaît ça et puis pendant ce temps dans pays Kenya même dans base là au Kenya et ben pas seulement dans Nairobi nous dit Nairobi parce que c'est là gagner des institutions régaliennes notamment le parlement et ben nous dit ça mais c'est pas seulement dans Nairobi c'est plusieurs côtés dans capitale là côté que yo entré dans parlement dans moment que parlementaire t'a discuté sous loi budget ça et ça a demandé au même manifestants ont demandé pour rentrer loi budget loi sous finance ça que gouvernement ou toi mettez dehors. Donc en attendant c'est pour le moment c'est ça nous gagnons comme information et sous question force multinationale pour appui sécurité dans le pays d'Haïti et ben qui commençait avec premier contingent ça. L'autre fait nous capable signaler, ben regarder score match toujours. Match a toujours 1-0 bon côté Autriche avec Pays-Bas, Autriche qui 1-0 sous la Hollande et puis 0-0 entre la France avec la Pologne. On en retourne encore dans l'actualité à que nous t'es capable ça nous capable signaler pour c'est que et vendredi cap vin là, c'est pral 27 juin 2024 et pral gagner et premier débat dans quatre élections présidentielles qui viennent de pour dérouler 5 novembre cap vin là ou bien 5 novembre 2024 là et ben jeudi pour le premier débat entre ancien président républicain Donald Trump et président actuel la président démocrate Joe Biden et grand pile gros sujet déjà qui est déjà paraît dans l'actualité notamment question avortement notamment question politique internationale et par rapport à que et financement soutien et pour Ukraine et pour Israël tout ça pral nan et puis semblier question immigration donc rendez-vous c'est vendredi qui pral 27 juin pour gros débat entre deux représentants deux principales partis pays en parlant de parti démocrate là et parti républicain et puis yon l'autre gros nouvelle encore c'est fondateur WikiLeaks là en parlant de Julian Assange, qui lui-même conclut un accord avec le gouvernement américain, et côté que le pral plaide coupable pour ça, il était reproché là. Et il faut dire Julian Assange, il était reproché de ce que il était exposé au grand jour. Documents qui étaient cachés, bien cachés, et bien, c'était exposé au grand jour depuis 2010, et puis il y a 700 000 documents confidentiels. Que qui a rapport avec activité militaire et diplomatique américaine notamment en Afghanistan, en Irak. Donc monsieur mettait tout bagage ça au grand jour. Donc c'est ça qui fait que eh ben il tape américain t'a poursuivi pour ta même et fait entrer aux États-Unis. Mais qu'on y a là dans le moment n'a pas là eh ben ça crivait c'est que monsieur fait on deal avec gouvernement américain côté que le pral plaider lui-même l'a plaider coupable et que qu'on y a Libral gain pour aller devant tribunal et normalement on t'a supposé condamner à 62 mois prison
et 62 mois de prison, c'est que M. Tap toujours une liberté pour le retourner en Australie. Nous connaissons son natif natal, pays Australie. Donc, M. Tap capable lui-même retourner en Australie, il finit payer parce que 62 mois, il passe déjà dans la prison et que donc il t'a vu et pratiquement libre. Il y a une pile réaction qui fait sur ça, notamment et avocat là qui est le France, ben me prononcer bien, Franceinfo Antoine Veil, ben me répéter l'encore, Franceinfo Antoine Veil qui c'est avocat Julien Assange qui dit que eh ben quel que soit Jean Saïe, comme se plaide coupable ou pas, eh ben le fait que le bras de liberté c'est ça plus important pour lui et il dit que client n'a qu'on est capable de livre que le voulait. Il est capable de manger que le voulait, il est capable de dormir Jean le voulait. Donc pour eux c'est un gros victoire. Donc pratiquement monsieur a plaidé coupable avec la justice américaine et l'a joint de liberté et après il passé 5 ans en détention provisoire dans le Royaume-Uni. Donc c'est une gros nouvelle qui gagne pour dans activité internationale. Et puis gagne États-Unis qui a parlé de l'autre enveloppe $150 millions pour Ukraine pour continuer à gommer avec pour réagir ou bien par rapport à l'invasion pays la Russie. Et puis dans la région Moyen-Orient, c'est toujours même inquiétude ça que autorité européenne et autorité américaine ont gagné pour vraiment que Liban pas tourner un deuxième et Gaza parce que l'armée Israël a mené des combats sur plusieurs fronts, notamment Gaza, notamment l'Iguen Rafal dit pour Ratibouaz et Rafa, et puis tout le Liban, en parlant de l'Apgoumé avec M. Hezbollah. Donc, autorité américaine, autorité européenne, ils ont même dit que pas tellement gagné un deuxième Gaza, et nous étions dernièrement là, t'es gagné secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même a fait même déclaration, il dit que le Patarimé a gagné un deuxième Gaza encore dans la même région et c'est crainte en pile et autorité pour pas gagner un escalade violence eh ben, dans la région. Et match a toujours, match France et Pologne a toujours 0-0 dans 44e minute de jeu et puis la Hollande contre Autriche et Autriche toujours a mené 1-0. Et donc match c'est consacré lié et faut dire que la France lui-même lui on tient presque bien chita parce que déjà il déjà qualifié. Donc en gros c'est ça nous gagne pour comme information et donc pas oublier premier plus gros information par exemple pour pays d'Haïti c'est définitivement ces troupes pays Kenya yo premier contingent qui arrivait dans le pays d'Haïti matin là vers 9h30 comme ça, qui arrivait dans l'aéroport Toussaint l'ouverture. Nous avons plusieurs correspondants sous place et cap capable de nous toutes dernières informations. Nous avons rendez-vous notamment à 4h pour rendez-vous info, mais on capable toujours consulter nous et on capable toujours consulter nous et sur l'autre plateforme que nous gagnons et notamment dans le moment où on a parlé là, et correspondant nous et Massado Vilme qui sont intervenus dans sac passé Haïti programme radio que nous gagnons qui passait entre 12h30 et 1h et n'a gagné tout monsieur dame ça pita encore dans rendez-vous info côté on pral di nous qui dernière information que yo gagné pour nous donc troupe l'arrivé dans pays d'Haïti dans Port-au-Prince et puis pendant ce temps gagne gros déblosaille dans Kenya côté manifestation a fait yo rentré avec fracas dans parlement il a demandé pour yo suspendre question loi sous budget et nous sommes parlons de Julian Assange et fondateur WikiLeaks là qui lui-même journée aujourd'hui a li presque pour joindre et liberté parce que il pral gagner pour la long île là pour la dit que li plaider est coupable pour accusation que et les États-Unis retenus contre lui. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Donc, restez branchés sous VOA Créole, sur toute plateforme nous, pour capable de dernière information qui a tombé concernant actualité à, au point de vue international et actualité à, concernant pays d'Haïti, même peuple-là. Donc, nous étions nous-mêmes, d'abord, nouvelles, dans bon timamit, nouvelles côté que nous pas dire, nous pas pral dire après nous, excusez-nous, de ce que nous t'es bon.